On s'installe paisiblement, on est à la salle, tout ça. Eh bien, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi, c'est de rester pour la seconde partie. Ça tombe bien. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, qu'il y a un léger changement dans le décor. Ça, c'est donc pour Serge Bastide. Ce n'est pas pour vous la jouer Da Vinci Code, mais vous avez tout de suite remarqué qu'il y a quelque chose d'insolite dans ce décor. Ceux qui connaissent Serge doivent être même étonnés, se dire « Oh, il doit y avoir un gag, c'est pas possible. » Exact, exact. Je l'ai J'ai un gros plan. C'est la bouteille d'eau. Voilà. Je suis entièrement de votre avis, la bouteille d'eau est étrange. Mais c'est parce que Serge Bastide fait partie de ces êtres atypiques qui ont décidé que même un buveur de vin peut boire de l'eau, non mais. Donc, n'est-ce pas, chapeau bas devant le côté totalement libertaire du personnage qui ne se laisse pas enfermer, fût-ce dans une bouteille. De toute façon, on aurait du mal. Ou alors, il faudra souffler autour. Enfin, bon, bref. Serge Bastide. Serge Bastide ne s'appelle pas Serge Bastide. Son surnom de Bastide lui a été donné par Paul Fort quand il l'a rencontré en 1955. Place des Vosges. Oui, non, pas à la Bastille non plus. C'est, oui, comme quoi. Hein, on aurait vite fait broder une belle légende, mais non, la vérité est plus simple. Il a rencontré Paul Fort à Place des Vosges. Et discute que je te discute, Paul Fort lui a trouvé ce surnom, ce pseudo, et qu'il a donc pieusement gardé. Il était déjà connu comme auteur, compositeur et chanteur, notamment à Montmartre. Mes prédécesseurs à la Commune Libre l'ont bien connu. Et puis vous savez, n'est-ce pas, comment la vie est dure avec les comédiens. Il était amoureux, il s'est marié, il a eu des mômes. Et si vous arrivez à faire vivre une famille avec une guitare, c'est que vous la vendez. Alors donc, ça a été un peu son cas. Il a mis sa guitare de côté. Et il a continué à écrire parce qu'un pommier ne peut pas s'empêcher de faire des pommes. Et puis après, petit à petit, eh bien la soixantaine, il a fait son comeback. Un petit côté Joséphine Baker, oui. Enfin, plus proche du régime que de la banane, quoi. Et donc, à partir de là, le succès ne s'est pas démenti. Salle comble de ci, salle comble de là, tournée internationale, Saint-Denis, Romorantin, Saint-Germain-en-Laye, voire Nemours, enfin c'est vraiment... Non, je blague, c'est vrai qu'il va aux quatre coins de la planète, et que heureusement que maintenant il a un téléphone mobile, et soit parce que... Est-ce que tu pourrais venir samedi prochain, parce qu'à l'Écluse, il y a quelqu'un qui aimerait bien, et dire ah non, là je peux pas, là je suis en pleine Europe centrale, j'ai une dizaine de concerts, Ah bon, d'accord, ok, j'ai rien dit. Bon, c'est suffisamment de le savoir. Donc on a réussi à le choper. On a réussi à l'attraper. Et donc en plus avec un récital qui ne peut donner qu'à un public choisi. Vous êtes ce public choisi. C'est-à-dire toutes les gammes variées de son esprit libertin. C'est donc avec une joie non dissimulée et peut-être une légère inquiétude quelque part, mais après tout... N'est-ce pas ? Qui vit sans risque, vit sans joie. Oh, c'est joli, ça. Notez, scribe. Qui vit sans risque, vit sans joie, donc l'échelle à coulisses, à la joie d'offrir ses clés à Serge Bastide. Qui vit sans risque, vit sans joie. Eh bien, je vais les poser tranquillement à côté de la bouteille d'eau. Je suis obligé de la regarder un peu des fois maintenant parce que j'ai des ennuis avec la goutte. C'est une maladie de centenaire, mais ça fait du mal. Bravo. Alors je... Entre 4 verres de vin, je bois un verre d'eau. Alors comme j'ai choisi, enfin à la demande de mes chers amis, de vous donner ce soir un récital de chansons un peu spéciales. Il est un fait certain que c'est des chansons que je ne chante pas toujours.
Sauf dans les communions, les choses comme ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas toujours faire des communions. Là, je vais à un mariage, c'est déjà plus sérieux. Et les enterrements, ne m'en parlez pas. Quoique, je suis allé chanter pour deux enterrements où on m'a demandé de chanter en l'honneur du défunt. Et c'était très drôle. D'ailleurs, les enterrements devraient toujours être très drôles, puisque l'homme enfin quitte cette terre de misère. Hein? Alors, comme je ne les chante pas très souvent, des fois j'ai des pertes de mémoire. Alors, ça m'avait inspiré ces pertes de mémoire, un petit couplet. Jeanne Moreau nous a chanté qu'elle flanchait de la mémoire. Il est vrai qu'avec les années, parfois elle reste au perchoir. Non pas la Jeanne, mais la mémoire. Aussi me fallait-il trouver un moyen non rédhibitoire, lorsque j'ai peur d'en oublier, je fais un nœud à mon mouchoir, et je mets le mouchoir à mon nœud. Je sais, la méthode est bizarre. Mais enfin, ne faut-il pas mieux, quand on a des trous de mémoire, nouer sur son nœud un mouchoir, que de faire un nœud à son nœud? De plus, réfléchissons un peu. Si pas très net est mon mouchoir, dois-je l'exposer à vos yeux, le brandir tel un ostensoir, ou le cacher comme je peux? Non, ce n'est pas un truc vicieux, je m'en voudrais de décevoir. C'est un moyen très astucieux, car si j'oubliais mon mouchoir, je ne pourrais oublier mon nœud. Malheureusement, mon histoire ne peut convenir qu'aux messieurs. Oh, mesdames, n'allez pas croire que je vous oublie, non, que Dieu. Mais vous n'avez que le mouchoir, alors il vous faudra trouver le nœud. Eh bien, je vais vous chanter maintenant le docteur Bonneux. Docteur Bonneux. Bonneux, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, est un gynécologue. Docteur Bonneux était du bois dont on fait les vieilles poutres. C'était le type même du Gaulois, Frangaillard et Jean Foutre. Après de 90 ans, il auscultait les belles, croquant la vie à belles dedans et vidait les bouteilles. Mes bons amis, buvons un verre à la santé du petit bête. Mes bons amis, buvons-en deux et chantons le docteur Bonneux. Il avait la réputation à 100 lieues à la ronde, auprès des fraises et vieux girons, de contenter son monde. Mais un beau jour, il est parti par où tombent les poires. Je ne perds les points sur les i, vous connaissez l'histoire. Mes bons amis, buvons un verre à la santé du petit père. Mes bons amis, buvons-en deux et chantons le docteur Bonneux. Docteur Bonneux fit le pari de visiter Vingueuse. Mais bien avant qu'il eût fini, il laissa ses muqueuses. En résistant gaillardement aux terribles caresses qui lui passèrent la mort dans sa dernière maîtresse. Mes bons amis, buvons-en deux à la santé du petit père. Mes bons amis, buvons-en deux et chantons le docteur Bonneux. Alors nous allons aborder le sexe, bien entendu. Dans un doux paradis sans hommes, naïvement deux enfants s'essayaient au jeu de la pomme qui ravit nos premiers parents. Ils avaient vu, par des images où l'amour se fige au crayon, que le temps du libertinage vient avec le poil au menton. « Si tu veux, je serai ton ange, lui dit-elle, viens sous mon aile. Si tu veux, je serai ton ange et tu seras le démon. » Sur sa bouche, un bouton de rose. Sur son téton rond de lait, imitant les anciens, il ose poser un baiser très discret. Ils glissèrent alors ensemble vers le puits de la volupté. « Mais, dit le garçon, il me semble qu'il manque à ma félicité. Si tu veux, je serai ton ange, lui dit-il, et viens sous mon aile. Si tu veux, je serai ton ange, et tu seras le démon. » En voulant échanger les rôles, ils pensaient pouvoir trouver le moyen, et ce n'est pas drôle, de conclure à leur puberté. Car s'ils savaient des accessoires se servir amoureusement,
Ce qu'il manquait à leur histoire dans ce doux paradis d'enfants, c'est évidemment le serpent. La libertine, bon, on va chercher la libertine. La libertine, c'est une histoire à la Jeanne d'Arc, vous allez voir. Tu descendais de la colline, la mini-jupe para du cou, en évitant les aubépines quand tu fuyais devant le loup. Il y avait le loup, il y avait les autres, m'auraient voulu, mais causaient pas. Ces hypocrites bons apôtres n'étaient que de faux, tu crois-moi. Tu descendais de la colline, la mini-jupe para du cou, en évitant les aubépines quand tu fuyais devant le loup. Le vent chantait, fais gaffe au loup. Le vent chantait, fais gaffe au loup. Tu habitais dans un village avec un maire et un curé qui veillaient sur les bons usages grâce aux grenouilles de bénitier. Qui espionnaient tes moindres gestes en remuant leurs popotins. Pour se consoler de leur reste, elles alimentaient les potins. Tu descendais de la colline, la mini-jupe au ras du cou, en évitant les aubépines quand tu fuyais devant le loup. Le vent chantait, fais gaffe au loup. Le vent chantait, fais gaffe au loup. Tu vivais à la vache te pousse, telle une chatte sans foyer. Lorsque tu suçais ton pouce, on disait que tu provoquais. Si tes mimiques étaient sensuelles, Dieu sait que c'était innocent. Mais pour ces terribles femelles, tu étais fille de Satan. Tu descendais de la colline, la mini-jupe au ras du cou, en évitant les aubépines, car tu fuyais devant le loup. Le vent chantait, très grand fou loup. Le vent chantait, fais gaffe au loup. À la fontaine sous les ormes, en Ève tu vins t'y baigner, comme tu affolais les hommes, on fit appel aux policiers. Qui te sortirent de l'onde pure, le teint bien rouge et rubicon, en méritant, je vous l'assure, que j'écrivis la vie mon pont. Tu descendais de la colline, la mini-jupe para du cou, en évitant les eaux des vignes, quand tu fuyais devant le loup. Le vent chantait, fais gaffe au loup. Le vent chantait, fais gaffe au loup. Puis un matin dans la broussaille, on te trouva inanimé. Tout le village en funérailles, sans va la mine constipée. Car en effet, la médecine, grâce à son permis d'inhumer, prouva que toi, la libertine, tu étais vierge à ton décès. D'autres descendent des collines avec des jupes en dessous des genoux et se font prendre aux aubépines et se font manger par les loups. Marie cultivait une rose avec soin dans un jardinet. Survint Lucien qui lui propose de l'échanger contre un œillet. « Volontiers, mais elle est si tendre, dit l'enfant. Ce n'est qu'un bouton, mon ami. Mieux vaudrait attendre avant d'en faire la moisson. » « Non, tu n'y penses pas, ma chère. C'est ainsi qu'il faut l'accueillir. Je t'apprendrai bientôt, j'espère, l'art de la faire s'épanouir. Mais jette un peu les yeux de grâce sur l'œillet que t'offre mon cœur. C'est une fleur de fière race qui t'apportera le bonheur. » À cet aspect, notre fillette sentit sa rose s'entr'ouvrir. Elle eut bien joué les coquettes, mais un soupir vint la trahir. Aussitôt, Lucien en profite pour attaquer dans le buisson cette fleur que l'amour invite à cueillir en toute saison. La rose avait bien quelques épines qu'il brisa à son ménagement. Marie fit d'abord la mutine, puis s'apaisa, le cœur content. Car enfin ce troc à la belle plaisait tant que pour ce larcin, elle eût donné rose nouvelle et le rosier et le jardin. Elle jouissait de l'échange et calculait déjà son gain, quand par un accident étrange, l'œillet se fana sous la main. Le dépit en elle s'éveille. Ah, Lucien, traître, qu'as-tu fait, méchant?
Rends-moi ma rose vermeille et reprends ton œillet. On fait le sexe en guguette. Agathe est ma tendre moitié, entre nous survit l'amitié qui... Non, pardon, excuse-moi. Agathe est ma tendre moitié, entre nous survit l'amitié qui suit 10 ans d'amour vivace. Mais il nous faut bien constater, quand l'habitude est installée, que les élans du corps s'espacent. Ainsi cherche-t-elle les mots qui motivent ma libido, ainsi joue-t-elle les pétasses. Elle accepte des compromis afin que je reste celui qui maintient son bonheur en place. Ah, que l'amour est merveilleux, même quand il s'étiole un peu, il y a toujours un bon moyen de conserver son tour de rein. Ah, que l'amour est merveilleux, même quand décline la flamme, il y a toujours une femme qui entretient le coup de feu. Ainsi suit-elle mon regard qui va se porter par hasard droit vers une fenêtre ouverte, ou dans le plus simple appareil, une fille au corps sans pareil s'exhibe là, la momuguette. Je guette-guette avec plaisir, elle exacerbe mon désir et je sens mon sexe en requête. Agathe le devine bien, chaque fois elle me dit viens, autant que guette je suis prête. Ah, que l'amour est merveilleux, même quand il s'étiole un peu, car il y a toujours moyen de conserver le tour de main. Ah, que l'amour est merveilleux, même quand décline la flamme, il y a toujours une femme qui entretient le coup de feu. Elle se coule contre moi, s'enrouler roucoule de joie, comme un pigeon ce qui m'épate. Elle caresse mon émoi dans les crins souples de ses doigts, en prenant bien soin qu'il n'éclate. Elle se met en position d'une savante contorsion, féline car c'est une chatte. Et tandis que je rêve encore de ma voisine, de son corps, avec fureur, je gâte à gâte. Un jour, certain avocat de Maigrand Collure, qui se disait délicat sur la créature, fut avec certains tendrons qui se nommaient Marillon, en bonne aventure au guet en bonne aventure. Comme la belle n'avait rien en miniature et que la clé se perdait dedans sa serrure, il cria tout éperdu, au ciel n'a-t-on jamais vu si grande ouverture au guet, si grande ouverture. Pourquoi paraître troublé, lui dit la commère. Si vous êtes mal meublé, je n'y peux que faire. Nous vous croyant un plus grand train, j'avais ouvert à dessein ma porte cochère, voyez, ma porte cochère. Dedans votre appartement, reprit le compère, on entre facilement. De toute manière, si j'en crois mon préjugé, vous avez ici logé plus d'un locataire. En donnant la conclusion de cette aventure, je dirais que Marillon, certainement roulure, avait pourtant bien raison de se moquer d'un garçon à courte membrure, au guet, à courte membrure. Ah, ça, c'était pour un avocat qui m'avait fait qui m'avait mal défendu dans un procès que j'avais perdu. Alors, avec sa note d'honoraire, eh bien, je lui ai envoyé cette poésie. J'en ai plus jamais entendu parler. Maintenant, j'ai changé d'avocat. C'est un copain. Je ne sais pas s'il est bien monté, mais
Il a l'air assez viril. Je l'ai laissé partir en amont mon cœur trop sage que je faisais rougir en frôlant son corsage. Avait-elle peur de moi, de mes gestes un peu brusques ? Elle avait peur, je crois, qu'en chemin je l'embusque et que dans nos ébats je ne fusse balourd ou qu'elle ne sût pas me bien faire l'amour. Je l'ai laissé partir tout cela par ma faute et pourtant le désir me labourait les côtes. Je mangeais son sourire comme un fruit d'espérance. En la faisant languir, j'amenuisais mes chances, car j'ignorais qu'Elsa, jolie sainte Nitouche, rêvait qu'on la baisât ailleurs que sur la bouche. Eh bien, puisque tu m'as traité comme ça, Pascal Brett. Ah. Ouais. Et depuis l'euro, je me demande comment je dois l'appeler. Parce que Pascal, ça disait quelque chose aux gens. Mais l'euro Brett, ça ne dira rien. Alors je l'appelle toujours Pascal. Eh bien, maintenant, je vais vous chanter les aventures de ces garçons. De ces garçons qui s'enferment dans les boîtières. Voici la veuve Poignée. Il s'enferme dans les boîtières pour ne pas être dérangé. Et lise d'un œil délétère des bouquins de cul abondés. Devant les formes provocantes de rondes fesses et de seins, il s'extasie, langue pendante, en se masturbant les deux mains. Les excités de la bringuette, les obsédés du va-et-vient, les dérangés de la quiquette, la veuve Poignée, c'est sans contrainte. Il se bricole sous les douches, il se tripote au ciné, et dans le noir où il se touche, d'un air de ne pas y toucher, ils aiment la jolie Milette qui se prélasse dans son bain et font une partouze branlette quand ils sont deux ou trois copains. Les excités de la braguette, les obsédés du va-et-vient, les dérangés de la quiquette, la veuve Poignée, c'est cinq contre un. Ils sont encombrants dans les tasses, quand on a besoin d'y pisser, on les surprend dans les impasses, ou dans les squares ou les chantiers. Certains efféminés minaudes, en s'effilanchant le poireau, d'autres disciples de Saint-Claude, taillent des pipes sous fourneau. Les excités de la braguette, les obsédés du va-et-vient, les dérangés de la quiquette, la veuve Poignée, c'est ça le combat. Il faut de tout pour faire un monde qui nous appartient à chacun. On s'aime à deux, on fait la ronde, on s'aime seul tout aussi bien. Puisque dans un ancien bréviaire, les carabins la main aux nœuds chantaient en se branlant la chair. Masturbons-nous, c'est le plaisir des dieux. La conférence est toujours dans les mœurs et que tous les sujets sérieux ou parfois drôles s'y prêtent bien avec plus ou moins de bonheur. Sans argutie, ce soir, je vous parlerai de Gaulle. Les Gaules, direz-vous. Ah, bien vaste sujet. Ce n'est pas du passé, car le temps m'en empêche, que je traiterai là, j'en ai mille regrets. Mais tout simplement de la Gaule, ou canapèche. D'abord son diamètre et son poids, sa longueur. Ce sont, à mon avis, les points indispensables qu'il me faut définir à leur juste valeur. Le poids, comme on le sait, est plus ou moins variable. Il n'influe pas beaucoup. Alors n'en parlons pas. Voyons le diamètre. Il est très appréciable, permettant à la Gaule de jolis coups d'éclat. Avec bien du plaisir, car elle est très palpable. À présent, la longueur, choisissons-la normale, trop petite en effet, nous la laisserions choir, et n'allons pas chercher dans la phénoménale, fabuleuse apanage, n'est-il pas vrai, du noir. Il est fou de prétendre à posséder l'énorme.
Car ne suffit-il pas, entre nous c'est un fait, d'en avoir simplement une normale en forme qui, dès la moindre touche, agite avec effet. C'est vrai qu'il y en a de très courtes et grosses, de tordues, d'ététées, de très fines aussi, comme bambou chinois, également de fausses, dont l'art du maniement est loin de mes soucis. Alors, mes bons amis, ce qui est d'importance, c'est bien d'en avoir une et d'en prendre grand soin, qui sache faire honneur en toutes circonstances, sans jamais s'étioler ni couler dans la main. Comme moi, pêcheur, protégez votre gaule. L'inconnu est souvent porteur de mille mots. Ne jetez pas ces vers par-dessus votre épaule. Quand vous irez pêcher, mettez votre chapeau. Un mari vraiment débonnaire laissait à sa tendre moitié une si grande liberté de tout vouloir et de tout faire qu'en tout lieu, sa facilité excitait la malignité. Dans le quartier, la médisance allait bon train et le cocu le savait bien. On lui lançait maint épigramme. « Mon pauvre ami, lui disait-on, tous les cocus sont au balcon, au train dont y va votre femme. Comment pouvez-vous donc passer sous les portes sans vous baisser ?» Dans le quartier, la médisance allait bon train et le cocu ne disait rien. Un jour, pourtant, de guerre lasse, « Ma femme, dites-vous, m'a trompé, seul le métro n'y est passé. Et que voulez-vous que j'y fasse? C'est le cadet de mes soucis, car moi, je la possède aussi, j'en suis ravi. » Dans le quartier, la médisance allait bon train, et le cocu s'en foutait bien. Souvenir de l'Indochine, ou dans les bordels anamites, se passer des choses extraordinaires. Voici l'anamite amanite. Elle était née dans le bordel où sa mère était pensionnaire. Fille, dit-on, d'un colonel qui apprécia son savoir-faire. Élevée par les étaïres, elle a pris le kamasutra. Lorsque finit le temps de lire, elle était prête aux grands ébats. Sa réputation fut si forte, en tant que mule d'Aphrodite, on vit la queue devant la porte de l'incomparable anamite. L'anamite, appréciée des anciens comme des néophytes, devint plus la mama amanite. Pour avoir dégusté le mauvais champignon, célèbre elle fut autant comme Mémène Rupigal, et pour une poignée d'euros festalisait vos amygdales. Puis quand vint le temps bénéfique des GI gorgés de dollars, elle accumula par sa nique de quoi s'acheter le bouclard. Et s'enrichissant de la sorte, en ignorant tout ce racisme, la queue grossit devant la porte de la métisse magnanime. L'anamite, appréciée des anciens comme des néophytes, devint une mama amanite pour avoir dégusté de mauvais champignons. Ils crachèrent au bassinet tous ces soldats, ces légionnaires, du vieux briscard au blondinet qui la tête est pas plus mère. Quand les ricains furent vaincus, faisant preuve de réalisme, elle soviétisa son cul pour les quetards du communisme. Puis à nouveau devant la porte de l'incomparable anamite, s'allongea de plus en plus forte la queue des obsédés du coït. L'anamite, appréciée des anciens comme des néophytes, devint une mama amanite pour avoir dégusté le mauvais champignon.
à force de couler des joues dans la fornication, le stupre. Elle attrava le mal d'amour qui mit fin à sa vie de lucre. Quand ravagée par la vérole, elle quitta le lupanar. Tremble bleutant de la boussole, elle tapina aux urinoirs. Car incomparable à la mythe, phalloïque du temps de sa gloire, devant la mortelle ananite, Falorine a bien triste histoire. La nana, ananite, vous pouvez chanter avec moi. Alors, je reprends. La nana, l'ananite, appréciée des anciens, comme des néophytes, devint une amama, amanite, pour avoir dégusté le mauvais champignon. Alors, puisque nous étions dans les bordels asiatiques, voici une description de bordel. C'est la tolérance, maison de tolérance. Le bordel, c'est un peu le blanc-seing du bidas pour retourner à la vie civile. C'est au bordel qu'il va chercher sa joie. Et ça, c'est une phrase de Karen Bromson, que vous connaissez pas et moi non plus. C'est une poétesse scandinave. Elle a laissé cette phrase à la postérité. Alors moi, ça m'a inspiré. Si cette femme-là, poétesse du Nord, connaissait ce qui suit, me lisant outre-tombe, elle me maudirait. Comment lui donner tort? Je la fais se tourner mille fois dans sa tombe. S'attendait-elle ou non, dans sa quête à la joie, à ce qu'un libertin poussa l'outrecuidance, jusqu'à chercher la joie chez des filles de joie, passant ses nuits dans ses maisons de tolérance. Mais pourquoi tolérance pour des cages d'amour qu'on reconnaît parfois à de pâles lanternes racolant le micheton du soir au petit jour pour de méchants câlins sous un ciel de literne? Oui, pourquoi tolérance pour des flippeurs du sexe qui font tilter l'orgasme au grand cirque du cul en drivant les balais de l'extase de commerce dont l'apothéose est la passe à l'inconnu? Tolérance, pourtant son nom l'indique bien, on en vend, on en prête, parfois même on en donne, on y cherche la joie, on la trouve, c'est bien, sans partage, pour soi, on ne connaît personne. Ah, je reviens à vous, poétesse du Nord, nous avons recherché la joie pour l'expérience, ce qui fait de nous deux la différence, c'est qu'elle n'est pour moi qu'égoïste, et j'ai tort. Dans ce bordel, il y avait une main. La main charnue. La main au cul charnu qui ne demande rien. La main, la grosse main, large dextre maflu, qui est prête à pincer, ou plutôt à chercher le sillon de tertienne pour une scène agile. Combien pour ce petit valseur dans la vitrine? Oh, combien de marins blasés par les campagnes arrivent en gueulant, des gueulants de champagne, de bière ou de tafia pour la chasse aux croupions dans le port d'Amsterdam. Et lui qui fleurit au jardin de Sodome va gagner ses noblesses au fond des lits creusés par la forme des fesses. La main, terrible main, toujours constante, cherche sa charmille et l'épi généreux se tend vers la faucille comme la branche prête à craquer. Au foyer qui se tord est l'ange d'espérance. Alerte à la défense, n'est-il que pile pour aimer? Ah, quel rêve de souffrance! Merci, réveil, tu m'as sauvé, j'allais me faire enculer. Je vous ai parlé de Lagon tout à l'heure. Oui, voilà, c'est le... Ah, elle mineur ça va. C'est pas celle-là. Je vous ai parlé de la Gaule, maintenant je vais vous parler du clitoris. Alors là, c'est parti sur un pari.
avec cet énergumène ici présent. Jeudi soir, nous étions ensemble avec des copains. Et il me dit, c'est samedi que tu vas chanter là-bas. Je dis oui. Et il me dit, mais t'as pas fait de truc sur le clitoris? Pourquoi tu ferais pas le tango du clitoris? Alors je l'ai écrit hier après-midi. J'en ai fait les paroles hier après-midi. Et tout à l'heure, entre 7h et 8h moins le quart, on a fait la musique. Alors c'est la première fois qu'on le chante. Hein, là. C'est le tango du clitoris, ardente danse initiatrice des innocentes jouvencelles qui se caressent le bouton pour découvrir des émotions mettant de l'ombre à leurs prunelles. Mais ce tango du clitoris... Non. Ah, on ne se rappelle plus, si tu veux. Je vais le réciter parce que c'est pas très bon de mal chanter. C'est le tango du clitoris, ardente danse initiatrice des innocentes jouvencelles qui se caressent le bouton pour découvrir des émotions mettant de l'ombre à leurs prunelles. Mais ce tango du clito risque de devenir un triste disque en ne servant que l'onanisme qui peut longtemps plaire aux oiselles risquant de les garder pucelles, isolées dans leur ostracisme. Et ne s'intéressant qu'à elle avec cette unique prémisse. C'est leur tango du clitoris. C'est le tango du clitoris qui se jouit bien à quatre cuisses dans l'enlacement des lesbiennes. Elles utilisent un ustensile mani de façon très agile pour leur excitation pubienne. Mais ce tango du clito risque de devenir un triste disque en ne servant que des tribades si l'une ou l'autre partenaire ne veut pas consommer la chair, virilisant la mascarade, elles ne s'en prendront qu'à elles d'ignorer le chant du pénis, pauvre tango du clitoris. C'est le tango du clitoris mettant le feu à la matrice d'une femme éprise du membre, de l'homme qui lui fait sentir la profondeur de son désir en lui faisant goûter son pantre. Et ce tango jamais ne risque de devenir un triste disque. Elle est la chanson de l'orgasme qui éprouve les corps enlacés, qui se déchaînent à baiser, s'abandonnant à leurs fantasmes. Au pays du non-interdit, on oublie le déprofondis pour le tango du clitoris. Une prochaine fois, on vous le chantera. On va vous chanter Gaston, tiens. Il y a quelque temps, j'allais faire un peu de cure. Maintenant, j'en suis revenu. À chaque fois que je vais à la cure, quand je reviens, je regrossis plus que quand je suis parti. Alors, c'est pour la peine. Mais il y a une chose intéressante. Dans les casinos, où on fait les cures, il y a toujours un petit casino. Et alors là, il y a une race de bons hommes là qui viennent toujours sur les casinos. Ce sont les vieux bous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout il y a des vieux bous comme ça. Vous savez, ceux qui se mettent une brosse à dents dans la braguette, voyez, pour faire encore illusion. Alors ça m'a inspiré. Voici Gaston. C'est un Don Juan fatigué, c'est un licheur de vieilles raies, c'est un titilleur de boutons, Gaston. C'est un gigolo rigolo, un réveilleur de libido chez les rombières au vieux fourneau. Au temps viril de sa jeunesse, où le dard est droit comme un nid, il était connu pour son sexe, comme les roucons si Freddy. De la bourboule à la palette, c'était à n'importe quel prix que l'on désirait la quiquette qui faisait courir tout Paris.
C'est un Don Juan fatigué, c'est un licheur de vieille reine, c'est un titilleur de boutons, Gaston. C'est un gigolo rigolo, un réveilleur de libido, chez les rombières au vieux fourneau. Sûr qu'avec le temps tout se sauve, et peu à peu son vaillant nœud devint une triste guimauve, le dépitant, pauvre piteux. N'eut bientôt d'autres ressources pour vivre des monts de Vénus que de venir boire à leur source en faisant du cunilingus. C'est un Don Juan fatigué, c'est un licheur de vieilles reines, c'est un titilleur de boutons, Gaston. C'est un gigolo rigolo, un réveilleur de libido, chez les rombières au vieux fourneau. De la bourboule à la palette, il rechercha ses anciens poux, afin d'ouvrir dans la millette pour ramasser beaucoup de veau. Pour toutes ces vieilles conquêtes, en souvenir du bon vieux temps, il est le ronco de la sucette, se retraiter du morne gland. C'est un Don Juan fatigué, c'est un licheur de vieilles reines, c'est un titilleur de boutons, Gaston. C'est un gigolo rigolo, un réveilleur de libido, chez les rombières, au vieux fourneau. Gégène, qu'on avait marre d'être encorné par sa bourgeoise, un jour de gêne et de cafard, l'occiputat d'un peu de patois, bien décidé à la larguer, il la sapa d'une nuisette de place, et chez les harpies, rue de Tanger, il mit aux enchères sa poufiasse. Je peux la céder 2000 euros, quand je pense qu'elle m'a coûté 5 briques, elle peut encore amasser gros, à faire mousser les blancs poireaux. Mais en biglant la tronche de la tronzesse, ils bidonnèrent en lui flattant le pétard. Le tronche gêne ramassa son pape-graisse, qui réveillé ruait dans les brancards. Le gros gêne en avait marre d'être encorné par sa bourgeoise, lui dit sans gêne, très péremptoire, fini le cocu, je porte le falzard. Durant un mois de mise au vert, il prit Viagra, boivant des vitamines, mais courant trop de but d'hiver, il en perdait sa belle mine. Stop. Là, il y a la contrepétrie du siècle. Hein. Je répète. Durant un mois de mise au vert, il prit Viagra, boivant des vitamines, mais courant trop de but d'hiver, il en perdait sa belle mine. Qu'est-ce que vous entendez par là, madame? Pas grand chose. Je répète. Il prit Viagra, bois bandé, vitamine, mais courant trop de but d'hiver, il en perdait sa belle mine. C'est clair. Oui. C'est très clair. On a compris. Alors on reprend. Mais courant trop de cul d'hiver, il en perdait sa belle pine, à force de pointer l'œillet, il se conclut dans la terre brune, et prenant goût au bilboquet, il se fait taper dans la lune.
histoire, la triste histoire. Je vais boire un coup. Vous savez, dans les chansons de l'armée, ou dans les chansons estudiantines, ou dans les chansons des carabins, on chantait toujours à Plaignon la Thérèse qui rit quand on la baise, etc. Moi, j'ai connu une Thérèse qui avait un gros nez. Alors ça m'inspire une chanson. Voici le bourre-pif de Marie-Thérèse. C'est dans le sein de sa mère qu'elle acquit son gros long nez, le tenant de son grand-père qui l'avait trop bien monté. Comme elle prit l'amplitude, voulant le cacher un peu, elle prit tout l'habitude de se le plier en deux. Alors là, j'ai besoin de vous parce qu'il y a les chœurs. Alors, vous allez chanter avec moi. À Plaignon, la Thérèse, qui a le nez trop grand, car celui qui la baise risque de tomber dedans. C'est facile, hein? Alors, vous allez chanter avec moi, allez, on prend. À Plaignon, la Thérèse, qui a le nez trop grand, car celui qui la baise risque de tomber dedans. Elle avait beau se le tendre, il s'allongeait en dépit, quand du ciel tombaient des cordes, son tarbouif servait d'abri. La télé, les journalistes, avec les paparazzis, les sculpteurs, les portraitistes, vinrent pour son quart de bruit. À Plaignon, la Thérèse, qui a le nez trop grand, et celui qui la baise risque de tomber dedans. Soin, soin. Mais elle était malheureuse, car aucun d'eux ne voulait, malgré ses mines aguicheuses, l'attirer. Sauf son portrait, elle prit d'une brouette pour trimballer son tarin, afin de se mettre en quête du beau mâle au bel engin. À Plaignon, la Thérèse, qui a le nez trop grand, car celui qui la baise risque de tomber devant. Soin, soin. Un jour elle ne fut plus vierge, un petit cum au grand cactus, un fada des 11 000 verges, en se mourant de hiatus, mis dans sa proéminence, qu'il prit pour un utérus, le jus de sa quintessence, pour engendrer un fœtus. Oh, Plaignon, la Thérèse, qui a le nez trop grand, car celui qui la baise l'engrand risque de tomber devant. Elle accoucha d'une histoire inspirant cette chanson, plus célèbre, il faut le croire, que Cléopâtre ou Nélon, où l'on dit que la Thérèse, d'un fou rire intempestif, est prise dès qu'on la baise, car ça lui déboure le pif. Appelons la Thérèse, qui a le nez trop grand, car celui qui la baise risque de tomber dedans.
j'y touche pas beaucoup. Hein. Ça me rappelle le curé, tu sais, à la messe, tu vois. Quand tes enfants de cœur, ils versent le pinard, ils descendent bien le calice, mais dès que c'est de l'eau, ils remontent. Et bien sûr, je m'en vais beaucoup. Alors, une petite chanson aussi, qui me fut inspirée par un immeuble. Un jour, j'ai habité un immeuble, comme ça. D'abord, c'était pire qu'un bordel là-dedans. Et j'ai donc composé par le toit. La fille de ma concierge, aux fesses en rondeur, fait redresser mon cierge lorsque dans l'ascenseur, elle se frotte en salope en me disant pardon. Je sens dans ma culotte que je fonds, que je fonds. Je sens dans ma culotte que je fonds, que je fonds. Alors là j'ai besoin de vous encore. Je sens dans ma culotte que je fonds, et vous, alors là, c'est le cœur des vierges. Je ne veux pas entendre un mec, là, que les femmes. Et les femmes disent, il sent dans sa culotte qu'il fond. Ainsi font les petites coucougnettes. Ainsi font, trois petites gouttes et puis s'en vont. Parce qu'il va retenir, hein. Il sent dans sa culotte qu'il fond. Ainsi font, les petites coucougnettes, ainsi font, trois petites gouttes, et puis sont. Alors, on commence. La fille de ma concierge, de fesses en rondeur, fait redresser mon cierge lorsque dans l'ascenseur, elle se frotte en salope, en me disant pardon. Je sens dans ma culotte que je fonds, il sent dans sa culotte, qu'il fond, ainsi fond, les petites coucougnettes, ainsi fond, petites gouttes puissantes vont. Ça va venir. Sa mère, encore belle femme, a de quoi m'éblouir. Ses seins en cuisse, madame, sont prêts à m'accueillir. Elle ouvre son corsage pour que j'entre dedans et me fait un massage qui m'éclate le gland. Elle lui fait un massage qui éclate le gland. Ainsi fond, les petites coucougnettes, ainsi fond, elles sont délicieuses, ces bières. Au premier, c'est l'extase de la genuflexion. Une accorde bourgeoise aimant les fellations vient se mettre en prière pour m'aborder debout. Et sans plus de manière, pompe tout, et sans plus de manière, pompe tout, ainsi font, les petites coucougnettes, ainsi font, trois petites gouttes, et puis s'en vont. L'épouse du notaire, sur le même palier, à la chatte incendiaire, elle veut faire miauler, mais vite en cinq minutes, à la porte debout. Et la peureuse pute qui est au trou, qui est au trou. Et la peureuse pute qui est au trou, qui est au trou. Si fond, les petites coucougnettes. Si fond, trois petits gouttes et puis s'en vont. Au cinquième, une gouine, fin d'allume de Michel, fabrique sa copine qui voudrait bien un vrai. Je m'installe à la place du sexuel objet. Puis joue à pile ou face dans les raies, dans les raies. Il joue à pile ou face dans les raies, dans les raies. Si fond, les petites coucougnettes. Si fond, trois petits gouttes et puis s'en vont. La jolie mon Ursule, logeant sous le grenier, veut m'offrir sa capsule, mais je suis épuisé. Pour que cela se fasse, pour que forme je sois, il faudra que je passe demain soir par le toit. Il faudra que je passe demain soir par le toit. Ainsi fond, les petites coucougnettes. Ainsi fond, trois petites gouttes et puis s'en vont. Vous aimez Victor Hugo, vous allez le gâter.
vous cacher les oreilles un peu. C'est une fausse blonde. En fait, elle est routine. Elle couche avec deux gars, souvent, cette coquine. Fait asseoir le premier au bord de son divan et, pour l'exciter, danse un striptease savant. Il bande sous l'effet d'une langue câline. Elle s'enduit l'anus d'un peu de vaseline, se retourne et s'assied sur le vide du garçon, se renverse en arrière afin d'offrir à son cou. Vivre l'amour à trois, c'est un délice, pense Clarisse. Vivre un amour si fou, c'est ma façon à moi de joindre les deux. Le complice debout, durci par ce spectacle, va pénétrer bientôt dans l'autre réceptacle. C'est alors qu'elle éprouve de fortes pamoisons, car les dards, séparés par la mince cloison, frottent l'un contre l'autre, et les membres s'allument d'une terrible ardeur, le marteau sur l'enclume. Tout doux, ne gâchant pas le plaisir désiré, d'un mouvement trop brusque, on peut la déchirer. Pour un rythme plus lent, adoptons la cadence, dans le cul, dans le chat, accordons notre danse. Quand l'un d'eux va jouir, soudain l'autre bandeur ne saurait résister à cette folle ardeur. Il lime fortement, profondément la belle qui, pour ses deux amants, frétille et s'écartèle. L'un d'eux sent du second le gland s'épanouir, quand va monter le jet, lui-même va jouir. En même temps jaillit par saccade le sperme, et c'est là du bonheur, le sommet et le terme. Oh, nul par ailleurs quand se double si fond. Chacun l'avait ainsi pu se donner à fond. Qui pourrait soutenir que fille taraudée par de tels braquemars n'est pas large d'idées? Qui vous dit qu'il n'y a chez d'austères bigotes des envies refoulées qui ont de leurs culottes? Vous, ô vous qui avez la membrure gourmande et cherchez le billard pour jouer de la bande avec une poularde bien délurée du pot, préférez le réel au cinéma porno qui offre les clichés d'adorables provendes, mais vous fruste au fin fond de votre libido, mieux que de visionner d'abrutissantes bandes, branler le verre en verre à la Victor Hugo. Je ne sais pas si mon prof de français il serait content de moi. Bah, pour vieux, paix à son âme. T'es un bien brave homme. Et un bon enseignant. Sinon, je pourrais pas vous écrire tout ce que je dis. Ouais. Sacré copain. De ses deux larges mains, crochues comme des fourches, elle me tenait serré sur son tronc de catch. La fille avait des seins à contenter 20 bouches. À l'idée d'y passer, j'étais couvert de smuts. Sacré copain, sacré farceur, c'est sûr que vous m'avez bien joué. La sacré copain, sacré farceur, qui rira bien, rira le dernier. Dans une surprise partie, j'arrivais à la traîne, déjà bien épêché, accueilli par des cœurs. Je bus trop de whisky et l'on refit sans peine. Pauvre tas de fumier pour un bouquet de fleurs. Sacré copain, sacré farceur, c'est sûr que vous m'avez bien joué. La, 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 la. Sacré copain, sacré farceur, qui rira bien, rira le dernier. Ils avaient dégoté cet immonde cucus dans je ne sais quel pas quartier de Soutelle. Moi, les yeux chavirés, je lui comptais les puces, avachi dans ses bras et vautré sur son cœur. Sacré copain, sacré farceur, c'est sûr que je vous ai bien joué. La 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 la, sacré copain, sacré farceur, j'ai bien ri, j'ai ri le dernier. J'ai mis ça à la fin, c'est pas rien. C'est quand elle s'en prit à ma source virile que je réalisais tout au coup mon erreur. D'aussi vite que je pus, je rempochais mes billes. Elle était donc en fuyant pour prendre l'ascenseur. Sacré copain, sacré farceur, c'est sûr que vous m'avez bien joué. La 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 la, sacré copain, sacré farceur,
rira bien, rira le dernier. J'appris le lendemain de cette nuit fatale qu'elle vous fit passer un fort mauvais quart d'heure. Cette goulue du viol, cette immonde cavale vous fit à tour de rôle lui rendre les honneurs. Sacré cavale, sacré farceur, c'est sûr que je vous ai bien joué, la 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 la, sacré copain, sacré farceur, que j'ai bien ri, j'ai ri le dernier. Alors là, voilà le summum de l'horreur. Fallait bien que je vous quitte comme ça. Ah, c'est une aventure qui m'est arrivée. C'est ça, le summum de l'horreur. Oui. Alors là, j'aurais besoin aussi de vous chanter. La Souillon. Elle devait avoir la trentaine, très jolie, beaucoup peu d'aile, les pieds douteux dans ses chaussons, un petit poids dans le potiron. Elle me répétait que son homme ne faisait jamais l'amour comme elle aurait voulu qu'on lui fasse, aussi bien de pile ou de face. Et les hommes là, j'ai besoin des hommes, et les hommes vont chanter avec moi. Non, 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 on ne la baisera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Alors, on prend les hommes, hein. Allez. Non, 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 on ne la baisera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Et alors là, les filles, attention à vous. Si, 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 elle se lave le cul, alors ils verront. Si elle ne peut plus, facile à retenir, hein. Une tranche de vie, ça vous plaît. Et le plus beau de l'histoire, c'est que c'est sa femme et ma fille qui faisaient le cœur des vierges dans le disque. Allez, on reprend. Elle devait avoir la trentaine. Pas très jolie, beaucoup peu d'elle, des pieds douteux dans ses chaussons, un petit poids dans le petit rond. Elle me répétait que son homme ne faisait jamais l'amour comme elle aurait voulu qu'on lui fasse. On sait bien de pile ou de face. Les hommes, attention, non, 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 on ne la baissera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Les filles, si, 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 elle se lave le cul, alors ils verront si elle ne pue plus. Trop dur. Il y avait un petit peu, hein. Hein, je sais qu'il fait chaud, mais enfin quand même. Hein. Si vous voulez le mettre en pratique, faut connaître, hein. J'étais coincé dans la cuisine, ses mains sentaient la margarine, ses cheveux puaient le graillon, elle avait des relents d'oignons, la sueur marquait ses aisselles, elle pataugeait dans l'eau de vaisselle, elle avait taché mon veston avec la sauce du mirandon. Les hommes, non, 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 on ne la baissera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Les filles, si, 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 elle se lave le cul, alors ils verront. J'entends rien là, hein. On recommence les gonzesses, allez, attention. Ouais, alors, ben, alors je le refais pour toi. Non, 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 on ne la baissera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Les filles, si, 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 elle se lave le et ils verront bien si
elle ne peut plus. Ça vient. On se croirait aux vêpres, tu vois. Son mari entra sur la piste, la mine basse et les yeux tristes, me disant avec compassion que je vous plains, mon pauvre garçon. Vous comprendrez pourquoi je pense les raisons de mes défaillances, pourquoi je n'ai plus d'appétit pour l'honorer dans ce taudis. Non, 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 on ne la baissera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Les filles, elle se lave le cul, alors ils verront si elle ne lui plaît. Voulant lui prouver le contraire, je m'y mis en tête de fer. Honneur à ma réputation, et j'essayais sans conviction, mais m'empêtrant dans les gamelles, je trébuchais sur la poubelle, dérapais sur le paillasson, et j'ose le dire, un étron. Non, 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 on ne la baissera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Si, 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 elle se lève le cul, alors ils verront si elle ne pue plus. Depuis cet impensable histoire qui empoisonne ma mémoire, j'ai dans mes pérégrinations sexuelles des hésitations. Je m'enfuis dès qu'une copine prétend me faire la cuisine en me disant, chérie, viens donc, je suis la reine du Mironton. Non, 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 on ne la laissera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Si, 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 elle se lève. Allez, si elle ne peut plus. Non, 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 on ne la baissera pas. Elle est bien trop sale, elle est vraiment très dégueulasse. Si, 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 elle se lève le cul. C'est l'heure, vous reprenez Oui, c'est l'heure. Bon. Eh bien, une prochaine fois, je viendrai vous chanter des chansons très poétiques. C'est très poétique. On changera. Quoique la poésie se loge partout. Oui, du moment que c'est bien écrit, c'est ce que me disait un de mes vieux copains chansonniers, Jean Blanc, qui était le prince des chansonniers, qui est mort il y a quelques années, et qui me disait, le français est une langue merveilleuse parce qu'on peut tout dire sans faire de mal aux mots. Alors je vais terminer par un au revoir et en vous récitant le tête-à-tête intime. Hier, je recevais un mot de ma très grande amie Annette me conviant pour le tantôt en son hôtel de la Muette. Elle avait congédié la bonne. Comme il ne viendrait plus personne, nous ne serions pas dérangés, pas d'importuns, pas d'étrangers. Bref, je n'avais qu'à monter et elle m'offrait instant sublime le thé en tête-à-tête intime. J'arrivais donc très amoureux, content de notre solitude. Nous jouâmes à certains jeux dont Annette avait l'habitude. Et je vis qu'elle en aimait d'autres, car venant pour se joindre aux nôtres, la bonne, en se déshabillant, me dit tout bas, « Au cœur vaillant, madame, et m'offrant sur prime, ma pomme en tête à trois intime. » Ravi de cet heureux extra, je m'activais à la besogne lorsqu'impromptu, un couple entra, se joignant à nous sans vergogne. « Tiens, vous ici, leur dit l'hôtesse, en présentant au gars ses joues. » La soubrette en moins de trois touchait la dame aux beaux endroits, et ce fut ainsi que nous prîmes le thé, en tête à cinq intimes. Ce thé à cinq fut pris à sept, lorsqu'arriva, charmant ménage, Marie-Chantal et Elisabeth pour se mêler à notre ouvrage. Tiens, un employé du Gosse de France,
Puis un courtier en assurance apportèrent alors du sang neuf pour notre tête-à-tête à neuf. Bientôt, chacun dépouille opime, luttait en tête-à-tête ultime. Et puis, tant pis si vous mentez dans vos invitations charmantes, si j'ai gardé le goût du thé, si j'ai perdu le goût du thé, j'ai gardé celui de la menthe. J'aime vos invités à naître dans vos chaleureux tête-à-tête, où vous ne vous moquez pas d'eux. Ce sont des tête-à-queue de 5 à 7 à 9, où chacun lime. Ah, vive le tête-à-tête intime. Merci et à la prochaine. Qu'est-ce que je fais pour t'écrire ? C'est près de l'eau. Je suis sûr de ne pas les perdre du moment. Au bord de la claire fontaine. Il s'en allait tout tenu. Ah bah c'était merveilleux ça. Je sais pas pourquoi là, depuis 10 minutes, je commence à rougir en regardant cet appareil. Je disais donc que ce cher Serge nous a encore merveilleusement enchantés. Je félicite également la salle pour le concours spontané que vous avez prêté au récital. Ils ont été bien. Hein. Ah oui, hein? Les femmes un peu faibles quand même. Hein. Oh, ouais. Forcément, on a pas de tête. Tu sais ce que c'est. Elles ont peut-être plus l'habitude de la chose que du mot. Oui, voilà, exactement. Oh, mais si elles passent le mot, je leur passerai la chose. Citation de l'abbé de Lattaignan pour ceux, n'est-ce pas, qui cherchent désespérément de qui c'est. Oui, c'était un curé de cour. Vous savez, comme dans Ridicule, où il y a un curé de cour comme ça qui est tenu, le rôle est tenu par Bernard Giraudot, et qui fait comme ça des plaisanteries licencieuses. Il faut dire quand même que la soutane, ça jette. Hein, pour une plaisanterie licencieuse. Surtout qu'il faut la mettre entre les dents. Oui. Et je vois maintenant, ils ont moins de mal maintenant. Ah ouais, alors maintenant, avec un jean, tu parles. D'ailleurs, c'est bien simple, si tu continues pas d'appeler monsieur le curé, tu ressens pas non plus de sacrilège. Alors, tu vois, ça perd beaucoup de son sel, faut bien dire, quand il n'y a pas de transgression. Hein. Tu vois, par exemple, de voir boire de l'eau. Moi, je le regarde boire de l'eau, ça me fascine. Donc, on va remercier encore très fort ce cher Serge de ce merveilleux résultat. Donc son inestimable complice, Pascal. Qu'on peut surnommer 500 euros dans l'intimité, histoire de lui rappeler bon vieux temps. Oui. Ouais. Quoi ? Oui, la guitare. Je ne sais pas si la guitare a un nom. Bonjour madame. Non, la guitare ? La guitare, c'est un... C'est la guitare à Serge, c'est un cadeau de mes amis pour mes 70 ans. Ah bon ? Oui. Ah ben c'est vachement anticipé, non ? Ben le 21 janvier. De cette année ? Oui. Oh ! Oui, c'est vrai, le 21 janvier. Et je suis né en 1936, avec le Front Populaire, et c'est pour ça que j'ai écrit une chanson sur le Front Populaire, mais que je vous chanterai une autre fois. Oui, parce que c'est jeune, c'est pas... Non, non c'est pas tellement occupé du Front. C'est pas on s'est à partir occupé d'autres parties. C'est pas tellement du Front. C'est pas le même libertinage, tu vois. Là, c'est plus libertaire. Certes, ouais. Certes. Voilà. Je signale également pour l'histoire de Montmartre que le 21 janvier 1945, c'est la fondation de Art et Humour Montmartre 3. Oui. Oui, tu t'en fous. C'est également aussi la mort d'un personnage célèbre dont le vide quand même continue de hanter bien des cervelles, puisqu'il s'agit de Lénine. Ah, un discours, vous y attendez pas celle-là. Je sais, je la fais tous les 21 janvier, ça marche toujours. Bah, il y en a pas un qui pense. Je connaissais avec Louis XVI. Oui, voilà. Ça fait un parallèle d'un homme qui n'était pas un sanguinaire ni un dictateur.
et d'un dictateur à qui on a bien fait couper la vie. Oui. Voilà. Bon, d'accord. Alors, vous rétablirez les termes dictateur et sanguinaire sur celui que vous aimez pas. C'est facile, hein, chacun choisit son clan. Sauf qu'il est mort dans son plumard, Lénine. Oui, mais mal en point. Non. Bah, en général, quand on meurt, on est mal en point. Il y a eu des coups de piolet, hein, Lénine. Hein. Il y a eu des coups de piolet. Il a mis 3 mois à décéder. C'est pas rare, c'est pas rare. Toutes les infirmières vous le diront. Il est très suspicieux, il avait peur de tout le monde. Non, ça c'est Staline. Ah, mais Lénine aussi, parce qu'il craignait Staline. Oui, mais ça, ça c'était une bonne analyse. Ça c'était une bonne analyse. Et puis même s'il avait su l'avenir, il l'aurait encore craint davantage. Voilà. Ouais. Mais ce qui est merveilleux avec, avec le roi Louis XVI, c'est lorsqu'il est mort. Oui. Il y a le facteur qui est arrivé et qui lui a dit. Bonjour, majesté, majesté, il y a une missive pour vous. Et d'après Alphonse Allais, Louis XVI aurait répondu, mettez-la dans le panier, je la lirai à tête reposée. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au pied d'échafaud, il a demandé des nouvelles de l'expédition de la Pérouse. Ça, par contre, c'est authentique. Parce que c'était un grand scientifique. Alors, il avait envoyé, souvenez, au moment où on a fêté la Méridienne, vous savez, le Méridien de Paris. On a rappelé l'histoire. Donc c'est lui qui avait lancé donc des gens pour mesurer le méridien. Bon, alors il y avait déjà la Révolution, mais il était encore le roi. Et donc les mecs partent avec les lettres du roi, les recommandant à toutes les municipalités. Et leur recommandant, n'est-ce pas, qu'ils puissent monter sur les clochers, les collines, etc., pour faire les triangulations de repérage de la méridienne. Signé du roi. Et quand ils arrivent sur place, le roi est guillotiné. Eh bien, avec leur lettre de cachet, hein. Eh ben, ils n'étaient pas à l'aise. Enfin, ça a été dramatique, d'ailleurs, il faut bien dire. Quoi, que c'est... La construction de cette méridienne est une aventure comme on n'oserait pas la faire dans un roman. Mais elle a été faite pour de vrai. Ce qu'il nous faut maintenant, tu sais. Hein. Oh, ben, je t'en prie, les dernières. Je ne sais pas si vous avez vu la saga de l'été sur M6. C'est abominable. Enfin bon, bref. Je vais vous donner les dernières nouvelles avant de vous relâcher tous. Alors les dernières nouvelles, demain à 15h, place de la Bastille, au Falstaff Bastille. Vous reconnaissez effectivement le Falstaff Bastille, c'est Serge qui a servi de modèle au personnage qui tient une chope de bière sur la façade. Si c'est vrai, coiffé un peu comme toi, mais avec plus de fourrure comme sur les vêtements. Toi, tu as un petit côté retour de tournée de Hawaï. Oui, c'est vrai. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Oui, en plus, c'est exactement ça. Le dimanche à 15h, Falstaff Bastille, donc Honoré Philo, le Café Philo dans un poème que j'anime avec Eric Ozano. Alors, Eric, il a Bac plus 5, avec 2 DEA, et puis moi, j'ai Bac moins 2, avec une médaille d'argent du don du sang. Ben oui, c'est le seul diplôme que j'ai eu pendant ma scolarité. Bon. Ah ben écoutez, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de la photo dans Paris Match et puis rester dans le lycée non plus. On les comprend, on ne peut pas leur en vouloir. Donc ça, c'est dimanche 15h. Lundi soir, eh bien, il y a la cave à poèmes de Gérard Trougnoux qui se trouve dans le théâtre des déchargeurs, rue des déchargeurs, métro les déchargeurs Châtelet. Le mardi, il y a les soirées poétiques. Les soirées littéraires, pour être précis. Les soirées littéraires au Tabac de l'Amérique et place Saint-Sulpice, rue Saint-Sulpice, à côté de l'église Saint-Sulpice, métro Saint-Sulpice. On ne peut pas dire que je leur donne des adresses difficiles à mémoriser. Hein ? Je suis clair quand même. Hein ? Mercredi, vous écoutez les CD audio que vous avez achetés ce soir. Est-ce que tu en as apporté, Serge ? Non, parce que ça, je n'ai jamais fait de disque avec ces chansons-là. Je vais. Et Madeline va guider, on va en faire quand même. Parce que comme ça, en plus, il y aura le cœur de vos femmes, que, qui est intéressant quand même comme idée. Et alors, jeudi. Alors, jeudi chez Janine. Non, ça fait un peu drôle, mais non, c'est Janine, c'est très sérieux. Jeudi 15 juin, donc, à 20h chez Janine, eh bien, nous avons notre Eduardo. Notre Eduardo national. Il t'aime les lundis. Il t'aime. Voilà, non, les paroles sont bonnes, mais les notes, c'est « Il t'aime les mardis, il t'aime le mercredi, et les autres jours aussi, voilà. » Alors d'ailleurs, il a marqué sur son truc « Vu à la télé il y a longtemps. »
Donc, pour la première fois en concert depuis 10 ans, ça c'est pas très gentil pour ceux qui l'ont vu en concert à l'échelle coulisse. Mais enfin bon. Donc, il est accompagné au piano par Patrick Langlade. Alors là, lui, on le connaît aussi. Hein, c'est quand même the pianiste. Donc, le 15 juin à 20h, chez Jeannine, 20, 33 rue du Surmelin. Il y a une rue du Surmelin à Paname. Ouais, c'est... Oui, c'est dans le 20e. Oui, mettons, grand béton, on fait pas. Comment est-ce qu'il a trouvé une rue pareille? Enfin bon, bref. Il est quand même sponsorisé par France 2, M6, TF1, Télémag, la RATP et Paris Première. Eh ben, ça va, il se doit sentir moins seul. Donc notre Eduardo, on ira le soutenir. Enfin, si ça tombe pas sur un match. Oui, parce qu'il y a le... Il y a le mondial. Oui, oui, alors c'est... Moi, jusqu'au 9 juillet, là, je suis un peu charrette. Et puis, donc, jeudi 15, vendredi 16... vendredi 16, il y a une réunion de copro, mais vous en foutez éperdument. Nous, pas, parce qu'il faut quand même empêcher qu'ils abattent la poutre fêtière qui les gêne. Il faut alors comprendre qu'une poutre fêtière soutient le fait. C'est le propre même, d'ailleurs, d'une poutre fêtière. Ça ne va pas être facile. Enfin, de toute façon, si on arrive avec des morceaux de plâtre le lendemain sur la veste, c'est que vous aurez remarqué qu'on n'a pas réussi à les empêcher. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé de venir nous sortir, nous soutenir avec des banderoles à la porte du syndic, ça ferait des ordres. Et samedi 17, c'est à nouveau l'échelle à coulisses. Alors, cette fois-ci, donc, dans un monde différent, par définition, puisque l'échelle à coulisses est basée sur le contraste, puisque ce sera Rémi Boisbesson, le monsieur que vous avez entendu chanter à bout de souffle de Claude Nougaro tout à l'heure. Eh ben, il y aura une heure de souffle, une heure de chanson. Alors, des chansons de lui, et puis donc...